je ne dis pas, je dis dans quelques années, mais sous peu, ça se fera pour faire une grande communauté, puisque nous avons des intérêts à défendre ensemble. Le plan de valorisation des déchets, vous avez vu, nous sommes déjà bien avancés. Le problème de l'eau, nous sommes unis aussi. Dès qu'on nous a dit qu'il fallait faire une usine et se regrouper, mais la communauté d'agglo du Nord Grande Terre, nous nous sommes regroupés. C'est une unité de valorisation qui va pouvoir traiter 60 000 tonnes de DMA. C'est une unité qui va coûter environ 45 millions d'euros et qui a bénéficié d'un avis très favorable de la région, de l'État, de l'ADEME, et qui sera financée à 80% par les fonds européens et 20% par nos deux communautés.